Vas-y Kirby, c'est ton moment là. Ah, on n'a pas écrit les lignes qu'on devait écrire là. Mais non, mais c'était pour lundi. Ah, carré. Mais je pense que ouais, c'était pour lundi. On peut le faire là, on peut le faire là en même temps. C'est quoi ton prénom là, celui qui est là un jour sur trois? Ouais, c'est Tucker. Ah ouais, putain, j'avais oublié. Ouais, c'est parce que salut, j'ai cessé le dernier cours. Continue de faire ce que tu sais faire de mieux. Ferme-la. Ah, ok. Oh, la violence. Eh, hey, t'es le pote à Brandon, toi? J'arrive à l'ouvrir, les jeunes. Moi, c'est le pote à tout le monde. C'est écrit. Ah, c'est la mosquée ici? Moi aussi, c'est son pote à Brandon. C'est ça, Aziz. C'est ça, Aziz. Eh, Machallah. La mosquée. La mosquée. La mosquée. C'est la mosquée. Qu'est-ce qu'il prend? C'est le premier exercice. Il nettoie le sol, le bâtard. Il va passer sous la porte, wesh. Eh, j'ai hâte de rentrer dans la mosquée. Vas-y. Ça n'a pas beaucoup changé. Allez-y. Il y a bien quelqu'un qui s'ouvre la porte. Et qui c'est qui lui? Quoi? C'est bon, c'est ouvert. Ah ouais, il a réussi. Et il a mis une de ses dreadlocks dans la série. Il sert à quelque chose finalement. Du coup, j'imagine que vous avez pas fait le texte, mais en même temps, c'était pas pour aujourd'hui, donc je ne vous en veux pas. Mais on peut le faire maintenant. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser pour le voyage au Japon une série de... Vous savez, souvent quand on fait des voyages en bus, il y a quelqu'un qui dit une phrase et tout le monde répète. Ouais. Ouais, moi je sais faire ça. On va organiser ça pour le Japon, mais sur le thème de l'école et sur les autres classes. Donc si vous avez des choses à révéler, des choses un peu graves, intimes, des choses qui vont mettre mal à l'aise... Attends, il y a de la musique en fond, on est d'accord. Comme ça, on fout la honte à tout le monde dans le bus. Rocco ! Moi, je vais pas mytho, ça fait pas rêver, hein. Je sais que ça fait pas rêver, mon con, mais ton profil absent. Ah ouais, mais... On peut faire des cours de chant, voilà. Bah c'est un cours de chant. Ouais, bah je vais commencer. Vas-y, Aziz. Tu connais les... Non, on pouvait régler nos comptes en musique. Mais oui, c'est un cours de chant. Les comptes en musique. Mais tu chantes et tu règles tes comptes en musique. Oh, c'est bizarre hein, ton truc. Hein. Pourquoi? Ça a l'air de puer sa merde, t'as vu, moi, tranquille. Et la musique a toujours permis de régler des choses. Ah, ok, vas-y, carré. Ça te dit pas du tout? Attends. Je sais pas, ça a l'air nul, hein, t'as vu. T'as pas de conflit avec qui que ce soit à l'école? Moi, j'ai un truc qui peut... Qui peut fédérer et qui peut parler d'amour. Oh, c'est bien l'amour, non? Chambre c'est beau. L'amour. Bon, ouais. Vas-y, allez. Oh, premier temps de la valse, t'étais seul, tu te souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui va la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Merci, Badot, pour Paris. Qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Oh putain, j'ai disparu sa mère. Bah, tu chantes très bien, bravo, tu fais bonne note. Qui t'offre encore longtemps. Mais en fait, on est au PMU avec un bol de cacahuètes qui pue la pisse, en fait. C'est beaucoup moins dansant. Il y a une petite odeur. Mais tout aussi charmant qu'une valse à 30 ans, une valse à 80 ans, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup mieux, machin, mais du coup, j'ai un bras qui passe à 30 ans, il passe à 20 ans, il passe à 60 ans! Bon, c'est très très bien, bravo! Ouais, c'est ouf! Allez sur la scène, allez sur la scène! Bien joué, Aziz! Bien joué, Aziz! Non, mais c'est très bien chanté! Aziz, c'est bien, Aziz! Voilà! Et il a fait l'effort! Allez, grimpez tout sur la scène, tout le monde sur la scène! Je vous rappelle que la scène est un espace d'expression libre où vous pouvez utiliser tous les gadgets que vous voulez. Tout est libre ici! Ok, je panique, je sais pas quoi chanter. Vas-y, carré, chante ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que une chanson? Qu'est-ce que t'inspires par exemple la demoiselle avec le bandana rouge? Kirby. Ma meilleure amie, je serai là. Toujours. Aïe. N'importe où. Aïe, la friendzone. Toujours la même. Un peu poème. Aïe, Kirby. Des folies. Oh, ma petite fleur d'oranger, le coup est dur. Wow. Là, c'est... Oh, elle a besoin de s'asseoir, les gars. Elle a besoin de s'asseoir. C'est très bien chanté. Vous gagnez des points. Très, très bien chanté. Mais rien d'autre. Elle t'inspire rien d'autre. Oh, elle est pas bien. Ah, si. J'ai une idée. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Allez-y. C'est un cours d'expression de chant libre, d'accord?
Donc c'est le moment de lâcher tout ce que vous avez lâché. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'on finira toujours par me tromper. Donc du coup, je vais inventer une chanson en imaginant que je parle avec Kirby quand on m'aura trompé. Est-ce que tu peux faire genre tu toques à la porte? Moi je peux le faire à sa place si tu vas-y, veux. Vas-y, comment ça tu veux le faire à ma place? Bah vas-y. Moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, pas bah, à toi. Bah toque alors cousine. On attend. Ouais, mais je toque. Ouais, voilà, c'est quoi, bon, j'ai toqué. Oh la vache. Ouais, c'est qui là? C'est moi, baby girl. Ça va, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qui? Non, c'est juste qu'à chaque fois que je te vois, ben, j'ai des papillons dans le ventre. Ouais, c'est James. Bah, mais... dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Bah... C'est tes yeux roses. Ok, attends, mais là, t'es pas dans mon délire, là, attends. Kirby, assieds-toi, faut que je te parle. Ouais. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis. Il se fout de moi, ouais. Je te l'avais dit, baby girl. Et là, attends, je fais la voix du mec. Mais Vi, arrête, tu sais, ton mec t'aime, ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, Vi, c'est une reine et je pourrais crever pour elle, faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assume, Vi, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre. Non, mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Waouh. J'ai envie de te faire ça, mon je saigne de la gueule. Il y a une chouette, ça, Nana, ça, Rico. Il y en a elle, là, il y en a elle. Il s'appelle Andy. Je saigne du genre. Il y a un mec qui vit sur sa vie. C'est pas. Ah, je dois finir là. Quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. C'est bon que vous les trouvez, non? Il se passe quelque chose, là. J'aurais pu continuer toute la chanson, hein. Qu'est-ce que t'en penses en face avec le bandeau rouge, là? Kirby, ben, j'en pense que c'est pas mal du tout, hein. Ouais, ça te plaît? Elle a fait les 2 fois. Enfin, voilà. Bon, c'est vrai. Et donc, toi, maintenant que t'es en face d'elle, là, qu'est-ce qu'elle t'inspire, là? Ah, ben, ça m'inspire beaucoup de choses, hein. Vas-y. Dis-nous, Kirby, dis-nous. Dis-nous, Comment ça? À peu près, quoi. Allège ton cœur, Kirby, vas-y, c'est le moment de parler. Sur une scène. Oh bien sûr, je suis sur une... Oh. Je t'ai fait un scratch. Ouais, allez. Il a scratché. Si quelqu'un a un petit beatbox, allez-y. Moi j'ai que un beat, moi. Non mais... Comment ça, qu'est-ce que je ressens pour elle quand je la vois? Allez, 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 Kirby. Bah, déjà... Déjà, j'adore tes yeux. Elles sont roses. Yeah. Et j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Mais vas-y, ça me gêne là! Allez, allez, Kirby là! Mais ça me gêne d'où? Attends, d'où tu rougis? Attends! Mais, tout, putain. Mais ouais, d'où tu rougis là, Kirby là? Oh, vas-y, va où là? Allez! Mais joue! Retournez-vous les gars! Non, mais même dedans, man! Eh, t'as envie qu'on dise que t'es une petite meuf? J'ai bien, bordel! T'as envie, voilà, dis-lui! Ok, mais c'est pour te mettre à l'aise là! Vas-y, comme ça! C'est pour te mettre à l'aise! Allez, Kirby, c'est le moment! Non, ce qui passe pas par la tête. Ce qui passe par la tête. C'est juste ce qui me passe par la tête. Oui, n'importe quoi là, vas-y. Bah. Reprends le beatbox, c'était bien. Je suis gêné. Parce que je m'attendais pas à faire ça devant ton baby girl. T'inquiète, vas-y, libère-toi. Mais ouais. Écoute, baby girl, est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est vu et qu'on a discuté ensemble? Est-ce que tu te souviens de notre première discussion? Tu m'as dit que t'avais les yeux roses parce que t'avais mangé trop de confiture. Ouais. Et je t'avais dit que j'étais mature. Ouais, je me rappelle. Tu te souviens? Ouais, je m'en souviens. Et... Bon, pourquoi vous rigolez, professeur? Allez, mais non, allez, Kirby! Non, pas du tout, mais c'est la boîte à rythme. Je participe avec la boîte à rythme. Et c'est vrai que la première fois que je t'ai vu, la première fois que je t'ai parlé, arrête j'ai de danser. Craqué sur toi. J'ai craqué sur toi. Voilà, j'ai craqué sur toi. Faites les cœurs, les trois derrière. J'ai craqué sur toi. Elle a craqué sur toi. Ouais, elle a craqué sur toi, ouais. Oh, petite dame. Bah, j'ai rien à voir. Bah, j'ai jamais réussi à mettre mes yeux ailleurs que sur toi. Voilà. Mais vite fonce, Creed. Genre, t'es décapté. Non, c'est pas vrai, tu m'as tout le temps à la douche. Elle m'a tout le temps dans la douche. À la douche, ouais. Croyez que j'étais discrète, mais c'est pour ton bien-être, bien sûr. Voilà, carré. Le pire, c'est qu'elle a maté, c'est un. Ouais, c'est pour être sûr qu'il t'arrive rien du tout. Elle a checké son fiat. 1000 pattes à tout moment, il arrive. Elle kiffe son fiat. T'as dit quoi? Non, j'ai dit, c'est vrai, ça arrive vite, 1000 pattes dans une douche en plus. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que je fais attention. Je regarde qu'il n'y ait pas 1000 pattes. Oh, tu captes. Sinon, c'est. Ouais, j'ai capté. Ouais.
Pourquoi Baby Girl? Elle a capté. Baby Girl, pourquoi tu me dis jamais rien, toi? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi tu me dis jamais rien? C'est vrai ça, c'est vrai ça. Vas-y, dis-lui, Nova, dis-lui. Qu'est-ce que tu ressens pour moi, Baby Girl? Ouais, dis-lui, Nova. T'es la meilleure pote. Quoi? Putain, j'en ai une. Ouais. Bon, c'était très joli, c'était très beau. C'était beau, putain. C'est pas une comédie musicale que vous avez fait là. Ouais. Bravo, bravo. Quelque chose, il y avait un début. Ah, ça, c'est beaucoup de bois, ça. Ouais, ça va nickel, j'étais dans la. C'est de l'art, hein. Les deux qui sont contre le mur, là, mettez-vous face à face devant le micro. Allez, c'est parti. Allez, bah vas-y, je vais pas me mettre avec Tucker, je sais pas. Allez, vas-y, Jordan, viens, fais un duel. Jordan, Tucker, face à face. Attends, avec Nova. Non mais Tucker, tu sais pas chanter. Bah ouais, tu sais pas chanter, toi. Venez, on fait belle. Moi, je peux danser. Tucker. Non. On fait Aladdin! Je connais, hop! Ce rêve bleu! Oh là 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 là, Jordan, tu vas pas chanter ça, man! Ah, c'est la merde! Eh, j'ai jamais regardé, c'est quoi ça? Vas-y, appelle le prince Jordi! Mais tu veux pas faire un truc que tu connais, Jordan? Je sais pas, moi je connais rien, moi t'as vu! Tu jures que tu connais rien! Rien du tout, man! Je sais pas! Moi je peux pas! Un truc! La mine à l'udule, tu connais ou? Y'a des trucs qui se connaissent, man, quand même! Nova! Bah, j'ai pas, inspire-moi, toi! Moi bah, pour s'inspirer, faut faire comme elles ont fait juste avant. Faut se mettre face à quelqu'un, les yeux dans les yeux. Ah, mais vas-y, viens, ma petite fleur des îles, viens. Non, vas-y. Mais non, mettez Nova et Kirby, mettez Nova et Kirby. Ouais, mais attends, vas-y, moi je sais pas quoi, t'as vu? Ouais, putain. C'est pas quoi, elle danse comme ça dans le salon. Ouais, bah ça, on l'a bien vu, t'inquiète pas. T'inquiète, waouh. Waouh. Attends, tu. Va en face de ton collègue. Ouais, c'est un truc de fou. Aziz, il est omnubilé ce bâtard. Mais ouais, c'est normal. Mais de quoi? C'est de l'art. Aziz! Aziz, oublie pas qu'on a la mosquée. Ah, Bobby. Bah ouais. Comment ça? J'ai dit Bobby. Vas-y, sors de ma tête, mais j'en peux plus. Baby girl, arrête-toi. Arrête. On l'appelle breakdance. Waouh. Waouh, Tucker. Comment c'est faire ça avec ta tête? J'ai vu 4 fois son entrecuit, putain de merde. Bah ouais. C'est quoi? Il faut créer un mot d'ordre, du coup, un refrain genre pour nous quand on arrive, c'est ça? Mais ça, c'est ce qui est prévu pour la fin de l'année. Ben, vas-y. Après, si vous voulez commencer à travailler maintenant, non, mais vous voulez que vous trouviez une ligne directrice dans votre classe, quelque chose qui vous pensez qui vous représente, que vous avez de plus que les autres. Et vous avez des choses atypiques, vous voyez, vous avez Kirby, qui est quand même pas le genre de personne qu'on croise partout. Comment ça? Il y en a qui parle jamais, comment ça? Ouais, je suis atypique. Comment atypique? C'est quoi? Je suis atypique. C'est quoi atypique? C'est qui atypique? C'est atypique, on dit. Voilà, elle est unique. Unique dans quoi? Unique en mon genre, man. Tu vois, là, je sens que tu commences à être inspiré. Continue. Posez-lui des questions, là, allez-y. Et en quoi tu sens que tu es... En Kirby, ouais, en quoi tu niques? Tu niques qui, déjà? Tu niques qui? Tu veux que je te nique ou quoi, ma petite fleur des îles? Je vais te niquer, toi. C'est sur la scène, que tout se passe. Bah oui. Je dois aller sur la scène. Je crois que je devais aller encore de lui. Sur la scène. C'est sur la... J'arrive, ma petite. Mais tu fais quoi, toi? C'est de la danse coco. Arrêtez de danser, vous là! C'est un truc de vous! C'est les dangers, ils ont raison! Voilà, bougez, vous êtes parfaits tous les deux! Vous êtes parfaits tous les deux! Viens, promettez-vous comme vous étiez tous les deux là! Allez, face à face comme vous étiez, c'était parfait! Qu'est-ce que j'ai à voir mon corps contre ton corps, man! J'adore ça, man! Ah, oh là, il se passe quelque chose! Eh Kirby, moi je t'ai dit! Il sent bon! Attends! Eh Kirby! Beatbox! Ah ouais, putain, sa mère, t'es sent bon! Kirby, moi comme je t'ai dit, pour moi t'es mon petit Malteser, tu vois. Je te suce le crâne jusqu'à garder ce petit cœur, tu vois ou pas? Ce petit cœur de biscuit. Ah bah. Tu vas bleu gombé? Ah bah je peux pas, il est trop balèze, mais t'as vu, on va faire le boulot. Après, tu peux essayer de faire en sorte d'agrandir un peu plus ta bouche, non? Ah, arrêtez-vous! Attends. Ah, le clash! Ça repart! Ouais, ça repart, hitbox, beatbox! Ok. Moi, je sais pas quoi te dire, là, Kirby. Tu vois, tu me regardes, j'ai juste envie de taper une petite barre, quand même. Moi, je vais pas mytho, tu ressembles à mon daron. À mon daron, t'as vu? Pas ton taron. Quand il rentre d'une grosse journée de boulot, t'as vu, c'est pour j'ai ça. Mais c'est pour ça que je te kiffe, tu vois. Tu me cherches en fait. Non, tu me cherches. T'es une amie, tu vois. En fait, je suis une amie. Je suis qu'une amie. Bah, t'es une bonne amie, t'as vu. Une très très bonne amie. Hein. Voilà. Une amie que, vas-y, t'aimes bien quoi. Une amie qui est un peu mon père spirituel, tu vois. Bah, c'est quand même incroyable ça. Ah ouais.
dans tous les sens. Mais tu sais que moi je t'aime beaucoup, moi. Ouais, ouais, je sais que. Je sais que. En clash, en tout cas, ils vont se péter. T'es pas Aziz. T'es pas Aziz. Mais en fait, je suis l'un pour l'autre, mais ils ne connaissent pas encore. Ouais, y'a quoi? On dit quoi? Ça se passe bien ou? Ouais, on a fini. Vous avez fini? On a fini de fou. Non, on n'avait pas fini. Si, on a fini comme bien. Ah, continuez, allez-y. Non, on a fini. Bon, alors si on devait faire un coupé sur Tucker, par exemple, je fais une proposition, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Oui, allez-y. Une guitare, je vais prendre une guitare là-bas, je vais prendre une petite guitare là-bas, ok. Tucker. Oh la vache, il joue bien. Wow. Tucker, ah, ouais. Tucker. Oui. Ah ouais. Oui, non. Oh, Tucker. Tucker. Oh, Tucker. Oh, Tucker. Oui, j'ai bien compris, Tucker. Merci, Brélès. Tout le monde ici. Tout le monde. Dans la classe du cœur. Faire chante te calcule. Ouais. Calcule. Le cœur. Tes élèves m'ont dit quelque chose sur toi. Quand ils te parlent, le cœur, ils ont l'envie de calcule. Oui, personne ne l'aime. Alors n'hésite pas, le cœur, dans les prochains jours, à te montrer. Qui va se faire foutre? Sinon, je vais faire un dossier pour le proviseur et tu. Voilà, voilà, carré. Ouais, ça va, Nova, ou quoi? Ça va bon. Ouais, ça déchire. Voilà, on a un petit quelque chose sur un élève, déjà. Tucker, ouais. Le chien. On va l'appeler Tucker, ouais. Le chien. Tucker, le chien. Le bâtard. Ouais. Oh, le chien, mal, le chien. Ok, vas-y, carré, carré, ça va, ça va. Eh, hey, mais attends, Kirby, hey. Aussi, elle est inspirante, le Kirby. Eh, hey, moi, je te le dis, bâtard, hey, bâtard, c'est amical. Tucker, ah ouais, tu prends pas mal. Je professeur. Kirby. Oh, ouais. Ah ouais, d'accord, carrément, carrément. Avec une seule chance, Kirby. De dire ce que tu penses à quelqu'un dans cette classe, Kirby. One opportunity. Est-ce que tu la saisirais ou est-ce que tu la laisserais passer, Kirby? If you fuck on the je la saisis fort. Kirby est son élève favori dans la classe. Qui est folle amoureuse cachée derrière son bandana. Une loubarde au grand cœur, Kirby. Amoureuse, Kirby, de deux personnes, Kirby. If you want to fuck in the Kirby, faire semblant. D'aimer qu'elle m'aime. Bon, la fin, je suis pas fan, hein. Ouais. Mais c'est pas mal, hein, y a un truc, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que je peux avoir une attitude un peu plus salsa, flamingo, tu sais, un truc. Ça bouge partout. Plus... Bah, attends, mais c'est qui? Mais qu'est-ce qui. Ah bah c'est... Écoute, la prochaine fois, t'auras un truc salsa. C'était prochaine le plombier, fois, je crois. Eh, mais Tucker, ouais. Tucker, c'est qui ce gars-là? Mais non, mais il fréquente qui, ce gars? Moi aussi, on l'a vu qu'une seule fois. Eh non, c'est toi qui l'a ramené, qu'est-ce que tu racontes? Nova. Bah quoi? Je le connais pas. Bah si, il m'a dit que c'était toi qui l'avait ramené ici. Mais quoi? N'importe quoi? Bah Nova. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui l'a ramené. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule? Bah, tu m'aimes pas le ramener de sa famille, là, tu m'aimes pas! Mais tu racontes quoi? C'est bah, qui c'est? C'est quelqu'un de ta famille! Quoi? Mais n'importe quoi! Quoi? Ouais, ce que j'ai entendu, apparemment il appartenait à ta famille! Mais attends, il est où ce bâtard? Il a disparu? Mais j'en sais rien! Ouais, il a peut-être disparu! Mais attends, mais quoi? Eh, il a disparu! Non, mais attends, il a disparu l'autre bâtard! Il a disparu! Mais arrête de rigoler, Aziz! Je sais pas, mais c'est quoi? Il disparaît d'un coup, oui, c'est quoi ce... Oh, Nova! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette école de merde? Allez, vous direz pas. Eh, Nova, venez, venez, vous deux. Non, mais, vous me cachez quelque chose ou quoi, là, oh? Non, on te cache rien, moi, je te cache rien du tout, j'en sais rien. Attends, mais Aziz, pourquoi tu rires comme un débile depuis tout à l'heure et toi, Nova, parce tu t'en bats les couilles? Mais c'est trop vite, la situation, il y a rien à faire, ce non, mec, il vient, il disparaît que... d'un coup. Il est parce qu'après, il m'a dit que c'était pas vrai, qu'il avait jamais dit ça, c'est pour ça que j'ai... Mais je connais pas ce gars. Mais comment ça il a disparu le Tucker? Eh, hey, tu l'as disparu le Tucker? Il disparaît, il fait des poux et il disparaît. Mais c'est un truc. Tu veux qu'il revienne? On remet tes doigts. On va enchaîner vite les cours, les jeunes. Allez devant les. Vas-y, carré. Okay, prochain. Okay. Bref, il y avait pas d'éclatement, je sais pas quoi. Si, mais allez devant. Vous avez vu Tucker ou pas? Oui, Picard, j'ai compté sauvage comme ça avec Juan. Oh putain, Kirby, remets ton bandana. La dernière fois. La dernière fois quand t'étais sauvage. Mais en fait, allez, récréation, profitez-en parce qu'après il y a cours et voyage. Eh, vous en pensez quoi du prof de musique? C'est moi le prof de musique. Oh putain de merde, le prof de sport. Ah. Il me fait rire. Mais faut avoir du second degré, quoi. Ouais, c'est un bâtard, quoi. Ah non, il est marrant, mais disons qu'il est un peu. L'ancienne, quoi. Ok, ouais, je vois, un bâtard. Ouais, un bâtard. Un bâtard à l'ancienne.
Et attends, attends, viens voir toi. Ouais, dis-moi, y'a quoi? Comment elle s'appelle la fille avec les cheveux roses déjà? Nova? Vous êtes... toi, t'as pas besoin de forcer, c'est ta voix déjà de base. Vous êtes amoureux ou quoi? Non. Il me dit gitane depuis qu'il est au CP, du coup, c'est vrai qu'il il a naturellement ça que dans la voix. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Eh, j'aimerais bien voir Bobby chanter ça, hein, oh avec sa voix là. J'aimerais bien ne jamais voir Bobby. Oui, oui, c'est pas. Ouais, fou. Bah c'est un peu pareil ça. De mon côté. Comment ça s'est passé votre cours avec la prof d'art plastique là? Vous l'avez retrouvé? Très bien, très bien, très bien. Non, super bien, elle a retrouvé les couleurs. Ah ouais, effectivement, ah ouais, elle a retrouvé les couleurs de fou. Vous savez où il est Ganesh, le concierge? Ça s'est bien passé. Oui, très très bien. Nous avons eu un très bon cours avec l'école des avec la classe des rouges. Où? Superbe. Dans ton cul. Superbe, superbe. Ok, c'est un moment de couleur, c'est très bien. Bah, t'as mais c'est quoi ces lunettes? Eh, c'est les lunettes, j'ai un match de flou avec. On dirait les lunettes là des girls, les trois girls là. Qui? Comment ça s'appelle là? Putain là, les Total Spice, mon gars. Ouais, moi je suis Jerry, moi. Non, c'est trop gang ce que tu parles. Ah ouais, Jerry. Pas mal ça. Genre, t'as plein de petits gadgets et tout à donner. T'as tout compris, t'as tout compris. Oh, t'es habillé. Ah ouais. Wow. Tu aimes faire la blague tout le temps? Ben non, mais ça me surprend, j'ai le droit d'être surpris, tu vois pas non plus. C'est quoi les bails? Attends, comment ça, Nova, t'es habillé? Ouais, c'est parce qu'il est amoureux de moi et on a dormi ensemble il y a 3 jours. Il est amoureux de toi? Quoi? T'as dormi? Quoi? Quoi? Non. Ben non, c'est l'américain. Putain, menteur. Arrête de mentir. T'as dormi? Pourquoi il dirait ça alors? Non, ici ça baisse, c'est vrai, mais pas elle. C'est moi, Yellow, t'es jaloux. Attends, Yellow, t'es en couple avec lui? Non, tu. Pas du tout. Oh, elle a fait la jalouse. Hey, Yellow, t'es jalouse ou quoi? Les bleus, c'est quoi le numéro de votre classe? Non, va. 3, 2, 3. Elle est jalouse. 3. C'est 3, je crois. Hey, Yellow, t'es jalouse. Mais jalouse de quoi? Pourquoi? Oh, j'ai vu, hein. Mais jalouse de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Attendez, Aziz, hé les gars, vous envoyez pas. Vas-y, vous envoyez pas. Ouais, mais attention, hein, fais attention. Mais elle veut pas être jalouse, elle est avec moi. Je suis clairement pas jalouse, ok? Moi et Aziz, voilà. Waouh, ouais, je suis choqué de fou. Jalouse. Oh là là, Aziz, hé Aziz. Tu vois, je t'ai dit quoi, t'as pécho? Il a pas peur. Bah ouais, mais c'est elle qui avait fait le. Aziz, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit t'as les pécho. T'as vu ou quoi? Ouais. Voilà, c'est ma. Voilà. Et tu sais quoi? Eh, maintenant, maintenant, vas-y. Attends, Aziz. Voilà. Maintenant, tu vas voir ce bâtard d'Amine et tu lui mets des patates parce qu'il a baisé ta meuf. Mais il a pas. Quoi? Bah oui! Il a baisé Yellow! Mais non! Il l'a baisé! Waouh! Oh la dinguerie! La dingue! La dingue de Amine! La dingue Jordan! Ça va, Nova? Il l'a bouillasse! Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais! Hey, t'as bouillasse! Qu'est-ce qui se passe, Nova? Rien, vous en faites pas. On mais tu baisses avec tous mon collier. C'est entre Bobby mais et... Mais n'importe quoi, j'essaie de lui faire fermer sa gueule. Tu fais ce que tu veux, d'accord, Nova? Si tu veux suivre la trace de ta daronne, c'est pas grave. Waouh. Ouais. C'est pas toi qui nous a dit que t'étais toujours exclu des rouges et tout le cinéma, tout le tympan avec les violons? Vas-y. Et dès qu'on parle des rouges, tu les défends, t'es constamment avec eux et tout ce que tu veux? Comment ça? Mais comme. Non, alors j'essaie pas de les défendre, mais comme j'ai dit à Aziz, j'essaie quand même que ça soit un minimum. Et j'ai pas envie de rester dans mon coin tout le temps, hein. Bah ouais, la raison. Je peux éviter de me faire insulter, hein. Ouais, mais Aziz, Aziz, il t'a incrusté parmi nous, pourquoi t'as plus besoin d'aller chez les rouges, là? Bah non, mais elle a besoin quand même de. Bah, je suis pas chez les rouges, je suis en classe. Dans tous les cas. Mais d'écouter quoi, Aziz? Bah vas-y, sors-nous une information, Yellow, vas-y. Mais elle a sorti plein d'informations déjà. Bah oui. Ah ouais, là, ils sont sur quoi, là, les Amine et compagnie? Je vais même donner à Aziz un code que j'ai trouvé. Vous quoi? C'est quoi le code? Aziz? Ah bon? Aziz? 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 Ah non, non. Eh vas-y, eh, vous partez tous en couille là. Non, j'ai pas de. Eh là, vous partez. Aziz. Non, là, vous partez en couille. Non, Aziz, non, pas nous, s'il te plaît. Non, Aziz, là, par contre. Non, vas-y, Aziz, là, tu me déçois là. Vas-y, mais ça, tu me casses. Vas-y, c'est bon. Non, vas-y, là, je suis choqué là. Eh hey Nova, moi je te le dis, moi je fais bande à part. C'est bon, soit je suis tout seul, soit t'es avec moi et. Eh, hey, le prochain qui me mange, je pète un câble. Non, vas-y, je suis dégoûté là. Ouais, moi aussi. Mais chérie, elle m'a rien donné. Aziz, je suis dégoûté là. Yellow,
t'ai donné le papier que j'ai trouvé sous la table. Quoi? Aziz? C'est Brandon! Non, vas-y, 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 je suis dégoûté, non, vas-y, je suis dégoûté, vas-y, je suis dégoûté. Je te l'avais dit, man. Non, elle a dit que c'était Watt, elle a dit que c'était toi. Regarde-moi dans les yeux, putain! Aziz! Aziz, hé, je croyais que. Ouais, mais c'est quoi? Et pourquoi on n'est pas au courant, nous? C'est Brandon, putain de merde, c'est lui qui a chouchouté. Ouais, et le code, c'est quoi là? Ils sont pas pressés, hein. Ouais, voilà. Voilà, baby girl, montre-lui un peu. Aziz, t'as trahi toutes les personnes qui avaient confiance en toi. T'as trahi notre confiance! Mais je te dis que c'est pas moi! Et bah tu verras ça avec ta meuf parce qu'elle dit tout le contraire! Mais c'est Brandon, putain, gendarme! Bah pourquoi elle dit le contraire? Parce que c'est. Mais elle le sait pas! Il l'a volé! Il l'a pris! Mais non, non, y'a un truc qu'elle a dit que c'était. Allez, allez, tout le monde en rang, s'il vous plaît, on vous attend! Bon, je vais vous annoncer la deuxième partie des cours. La classe bleue, vous avez cours de mode. Oh, Tucker! T'étais parti où après les cours là? Dans la récréation? La classe bleue. Et t'as été voir qui? Ah, ça c'était top secret. Comment ça? Attends, mais comment ça c'est top secret? Ça va très bien et vous? Super maîtrise. Je peux pas le dire. Ça vous va bien, votre petit haut là. Merci, c'est très gentil. J'ai retrouvé les couleurs de la vie. Et pourquoi c'est un secret là? Ouais, pour faire attention, ça dépasse. Prépare un peu. Tu prépares quoi? Mais tranquille. Qu'est-ce qui dépasse les couleurs? Les couleurs doivent dépasser de partout. Elles doivent envahir l'univers. Ok, on y va, les élèves. Je te le dirai après. Non, attends, vas-y. Vas-y, rentrez. Vas-y, Tucker, explique qu'est-ce que tu fais. Attends, tu prépares quoi contre les profs? J'ai parlé avec le monsieur professeur. Ouais. Attends, carré. Et j'ai un deal avec lui. Ouais, c'est quoi? Attends, c'est trop loin. Oui, on arrive, madame, on arrive. On arrive. Fais mes lacets. Il fait ses lacets, il sait pas les faire encore. Ah, d'accord. Tu peux m'aider, ouais. Vas-y, tranquille, ouais, je vais t'aider, tranquille. Ouais, oui, laissez-nous un peu d'espace, madame. Oh, pardon, excusez-moi pour le mot. Je vais faire les instructions, s'il vous plaît, on a peu de temps. Oui, je vous jure qu'on arrive, mais laissez-nous 5 minutes. Les lacets. C'est un peu long, mais. Avec un pote à moi de la classe rouge. Ouais. Il faut qu'on fasse tomber un professeur. Mais c'est plus répétant. Quel prof? Quel mec? Amine? N'importe quel. Amine? Avec Amine? Mais c'est... Non mais c'est qui l'élève? Amine? Non, c'est pas Amine. Très bien. Mettez-vous. Oh, vous faites bien. Waouh, Nova. Mais Bigor, je te cache, baby. Nova, arrête de frotter. Mais moi, c'est la prof qui nous a dit ça. Alors, je vais vous expliquer le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de mode. À l'intérieur de cette pièce, vous avez un dressing avec plein d'accessoires de vêtements. Vous allez avoir l'occasion de vous déguiser en quelqu'un de l'école. Soit un élève, soit un professeur, soit quelqu'un de l'administration. Merci, Vébis, et vous allez devoir l'imiter ensuite. Je vous laisse découvrir les costumes à l'intérieur et vous changer et décider d'imiter une des personnes de l'école. Allez-y, allez-y. Kirby, calme-toi là. Quoi? Et si t'arrives, Kirby? Vous êtes bizarre. Vas-y, faut y aller là. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais rien, moi. C'est bizarre ce que tu fais. Venez, s'il vous plaît. Mais j'ai fait quoi, man? Madame? Pour un tri apparat? Oui. Il s'est passé quoi? Il paraît que vous avez pris. Vous avez retrouvé la personne? Le criminel? Ne me rappelez pas des souvenirs aussi terribles, s'il vous plaît. Carré. Moi, je voulais juste vous aider, apparemment, madame. Apparemment, c'était monsieur Joshua. Madame, de la classe. Il faut faire quoi? J'ai pas entendu. Faut imiter quelqu'un, man. Vous devez vous faire une tenue d'une personne de l'école à imiter. Soit quelqu'un du corps enseignant, soit un élève. Ok, ceci est quelqu'un de l'administration. Et ensuite, vous allez devoir l'imiter devant toute la classe. Quoi? C'est quoi ce bruit là? C'est les murs qui sont pas très épais. Parfois, on peut entendre les choses qui se passent dans d'autres trucs. Ne prenez pas attention, s'il vous plaît. Wesh. Ouah, ça sirote quoi là? Oh le délire! Ça va cher soir! Vas-y, j'ai trouvé! Oh, le visa. Je suis sûr que vous allez avoir de bonnes inspirations! Et vas-y, on va où quand on en est les affaires là? Ensuite, on va tous se mettre de l'autre côté et vous allez faire un défilé, sortir de la pièce et présenter à vos camarades votre imitation et votre beau costume. Et vas-y, c'est... Oh non, pas encore. Et faites vite, je vous en supplie. Ça va être la récréation, on va encore pas faire l'activité, là. Ah, c'est bon, moi, depuis tout à l'heure. Bah, vas-y. Est-ce que certains ont terminé de j'ai le costume. Je vous laisse quelques secondes pour les derniers. Vas-y, carré. Non, faut juste que je prenne la démarche, maintenant. La tête que t'as, Kirby. Mon petit sucre d'orge. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as une tête Y'a un problème! T'as une tête de folie!
Et alors, je t'emmerde. Regarde. Je vais rajouter un petit truc. Elle a la tête d'Arnold Schwarzenegger et le corps d'une meuf, c'est quoi ça? Ça va, Ziz? Ah, d'accord, c'est très bien. Oh, vas-y. Écoute. Oh, Tucker, il veut faire un bail avec un élève rouge sur un professeur. C'est tout ça. Mais je sais pas, le gars il sort de nulle part et voilà. Vas-y, bon, on va voir. Écoute. Eh, vas-y, vas-y, on fait quoi? On va changer à part Alors, on va. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tous ici. Et à chaque fois qu'une personne passera, elle ira à l'intérieur, se changera et reviendra ici. Ok. Pour faire son imitation. On va attendre les deux derniers. Vas-y. Qui veut passer en premier en tout cas? Bah, vas-y, moi je peux passer, mais faut attendre les deux autres. Oui, on va attendre les deux autres. Vas-y, moi je passe en premier, hein, je vais imiter une petite salope. Ok, on attend votre dernier camarade. Mais c'est personne ne le connaît, c'est même pas un camarade, sa mère. Ah bon? Bah, je sais pas, vous l'avez vu combien de fois ce gars? Vous ne l'avez pas inclus dans vous ne l'avez pas. Bah, c'est lui, il s'est désintégré. Ah, allez-y pour le premier. Bah, vas-y, j'y vais en premier. Je vous laisse aller à l'intérieur, vous changer, venir et faire votre. Eh, vas-y, vous avez pas vu Hamid? Vous avez pas vu Hamid? Il est où Hamid? Non, parce qu'on va faire un prof là, on va lui faire la Hagra. Alors, il est où Hamid? C'est pas le suceur de bite, ça? Non, vas-y, suis un peu là. Voilà, voilà, carré, toi tu l'as. Voilà, merci. Bravo, merci, bravo. Merci, hein? Mais je suis Steven Seagal, ce bâtard. Alors, très bien, vous pouvez vous mettre ici, le suivant. Oh merde. C'est qui? Mais Steven Seagal. Ok, à moi. Oh, Kirby suit, allez-y, hein! Allez-y, Jean-Charles! Avec ta tête de dragibus, bâtard! Quoi? Non, mais suis! Suce ma tête! Mais ouais, y'a que ça! Suce mon dragibus! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Je croyais qu'il fallait faire quelqu'un de l'école, moi! Comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Ouais, Alhamdoulilah, vous? Non, tu es mon miote porno! Ah ouais, Kefta, mais comment t'as trouvé Kefta, toi? C'est Kefta! Bah, t'as vu le corps? Tout pileux, tout bizarre. Et une voix très aiguë. Vas-y, carré. Moi, je pensais que c'était Romuald. Ouais, c'est vrai, hein, tu l'imites bien. Je l'avais pas saisi. Ouais, c'est quelqu'un. Ok, à mon tour. Suivant, allez-y. T'as pas aimé mon imitation d'Amine? Mettez-vous tous en rang là, dépêchez-vous, mettez-vous en rang. Ah, j'ai pas. Ah, vous êtes pas en rang? Ok, on recommence. Moins 3 points. Je vois pas. Le directeur? Ah oui. Ouais, c'est ça. Effectivement, oui, je crois que c'est le directeur. Ah ouais, carré. La cravate est très ressemblante, en tout cas. Ouais, c'est comme lui. Effectivement. Madame, on vous rend les accessoires après? Oui, tout à fait, il faut reposer les accessoires à la fin. Vous pouvez les poser à l'intérieur, là-bas. Salut, ça va ou quoi? Comment ça va? Émilie. Ah, c'est Émilie, on la reconnaît. Mais c'est Émilie, c'est la prostituée. Carré. Non, mais continue. Tu veux une petite danse, peut-être? Je vais faire une petite danse. Tu veux? Attends, je vais faire une petite danse. Comment ça? Elle est chaude? C'est une chaudasse? Ouais, enfin, c'est une fausse chaudasse infiltrée. Attends, tu veux, je me colle à toi, t'inquiète. Attends, je vais faire une petite danse. T'as un corps carré, sa mère, je peux rien faire. Eh, je t'emmerde, moi. Eh, vas-y, parle mieux, toi, t'es sérieux, là? Accepte-le. Eh, tu me perds ta tête. T'as cru que c'était... Vas-y, t'as cru que c'était une offrande ou quoi? Quoi? Ça, c'est Nova. Bien, c'est bien réussi. Vous avez pas moi. Ouais, c'était carré de fou. C'était très bien. Super. Vous, Nova. Bien joué. Attendez, je bois juste un peu. Bonsoir à tous, chers élèves. Mais vous êtes tellement beaux, tellement gentils. Aujourd'hui, on va faire un concours d'art. Je suis touchée que vous m'ayez choisi. Elle parle comme une thérapeuticienne. Bien évidemment, vous êtes ma professeure. Oh, Kirby, habille-toi, je t'en supplie. C'est avec une chance, c'est pas vrai. Elle a plus d'abouissement. Ouais, c'est un truc de fou. Je suis ravie par ce choix. Par contre, vous avez oublié, il manque un peu de couleur, mais je pense que vos cheveux magnifiques corrigent le tout. C'est très bien réussi. Mais madame Laproche, je peux vous dire un truc, ça me stresse de fou. Je vous jure que c'est vrai, et je suis pas fou. On est d'accord qu'elle a une petite tache à côté du téton, là. Ah ouais? Non, mais une tache au téton. Bah si, non, si, regarde. C'est un reflet. Vous avez. Non. Je vous cache, professeur. Vous avez une petite merci, tache. Merci, heureusement que vous êtes là. Non, Kirby, je t'en supplie, habille-toi. Bravo pour ces imitations. Bravo. Vous allez pouvoir reposer les accessoires. Ouais, carré, vas-y. On va le reposer. Madame, vous avez une tache au téton. Et il faut faire quoi là? Il faut reposer les accessoires. Ah, d'accord. C'est la fin du cours. Okay. Comment on peut bien reposer? Voilà. Vous posez bien les tenues. Et vous pouvez aller à la cantine. Okay, merci pour votre attention.
Oh. T'as fait le plein, c'est ça? Oh, j'ai pris une cagoule et j'ai gardé la tenue pour imiter un rouge. J'ai pris 18 cagoules, je suis professeur. Oh, c'était incroyable. J'ai pris une tenue pour imiter un rouge. C'est pas du génie, ça. Poiré, j'ai pas pensé à ça. Bah ouais, j'ai pris. Ouais, ouais. Ça va être carré. Essayez de faire genre, il vous manque un truc et prenez le haut rouge de la meuf et tout. Comme ça, on pourrait imiter. Vas-y. Et il faut que toi, tu prennes celui de la meuf. Vas-y, j'arme, vas-y. It's on the regular, I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.